Une parole d'espoir, une parole qui va le relever, une parole qui va dire ne reste pas comme tu es, sois encouragé. Dieu ne te juge pas, mais Dieu veut simplement que tu viennes à lui et il va t'aider justement à pouvoir marcher dans sa puissance. Parce que la parole que nous prêchons, c'est une parole d'amour, une parole qui sauve. Amen. Et après, si les gens veulent rester dans leur vie, ça c'est leur problème. Mais toi, ton rôle, c'est de leur dire, sortez de là, venez goûter à la vie de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une vie religieuse, c'est une vie puissante, une vie forte. Une vie remplie d'autorité. Merci Seigneur pour ta grâce. Une vie de puissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Une vie de puissance. Une vie de puissance. Une vie de puissance. On va aller maintenant sur Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 15. C'est important de comprendre ça. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Parce qu'on a compris que... on va aller sur Colossiens chapitre 2, verset 13. Excusez-moi. Chapitre 2, verset 13. On voit que c'est la puissance de la Pâque. Parce qu'effectivement, le thème, c'est la puissance de la Pâque. Amen. C'est quoi la puissance de la Pâque? Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Christ. Amen. Nous fêtons sa mort et nous fêtons sa résurrection. Il n'est pas simplement mort, il est mort, mais il est revenu à la vie pour te dire, maintenant, j'ai le pouvoir sur la mort. Parce que l'élément qui arrête ta vie, au-dessus de la maladie ou le fil critique, c'est la mort. Le jour où tu es mort, toi et tes maladies, vous n'existez plus. Mais il dit, j'ai dominé la mort. J'ai dominé les soucis. J'ai dominé les problèmes. J'ai dominé les maladies. J'ai dominé l'élément plus puissant, la mort. Je l'ai dominé. Tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, tu vois, et par l'incirconcision de vos cœurs, de votre chair, tu vois, voilà. Il vous a rendu à la vie avec lui, tu vois, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses, tu vois. Nous faisons grâce, nous pardonnons, amen. Donc tu ne peux pas juger quelqu'un qui a fait n'importe quoi s'il n'a pas entendu parler de Jésus-Christ. Maintenant, s'il entend la parole et il s'entête, il fait comme il veut, là c'est autre chose. Mais tant qu'il n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas le juger. Tu ne peux pas juger bêtement parce que Dieu est venu sauver. Et après, il y a un temps où le jugement arrivera. Mais ce n'est pas à toi de juger, mais c'est à Dieu qui viendra juger. Toi, ton rôle, c'est quoi? Parfois, c'est de discerner le bien et le mal. Parfois, de reprendre les gens quand il faut les reprendre. Mais le jugement final appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui va le faire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, tu vois. Il a effacé, c'est la puissance de la Pâque, la mort et la résurrection. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait, tu vois, qui résistait contre nous, tu vois. Parce que les membres de ma famille ont fait ci, eh bien, je suis condamné à être comme ça. Parce que mon père a été un voleur, le sang du vol est dans mon corps. Parce que mon père a été un menteur, le sang du mensonge est dans mon corps. Parce que mon père était un infidèle, un impudique, je serai un infidèle, un impudique. Non, il a payé le prix et tu es plus que vainqueur. Même si dans ton sang familial et générationnel, il y a tout n'importe quoi, toi, tu ne vivras pas ces choses parce que tu as conscience que le sang de Jésus t'a libéré. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer nos familles. Et c'est l'erreur qu'on nous faisons. Mais si vous voulez voir la gloire de Dieu puissamment dans vos vies, vous devez comprendre que Jésus vous a sorti de vos familles et vous a donné une nouvelle famille spirituelle. D'abord en lui, maintenant une famille qui est l'Église. Il t'a donné une nouvelle puissance, une nouvelle forme. Et tu dois comprendre ça pour pouvoir après aider ta mère. Les dit, maman, je t'aime, maman. Ne reste pas dans ces choses, maman. Viens, maman. Sois délivré, maman. Sois sauvé de ces choses-là, tu vois. C'est ça ton rôle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix, tu vois, il les a cloués à la croix. Parce que la croix est un symbole de malédiction. C'est comme ça qu'on tuait les condamnés à mort. Aujourd'hui, parfois c'est la chaise électrique, ou une piqûre, en fait, l'étage pour pouvoir tuer les gens. Ouais, voilà. Mais là, c'était la croix. On te crucifiait, par après il y a la guillotine, tu vois, on guillotinait les personnes, mais à cette époque c'était la croix, donc il a cloué à la croix. Donc si le Seigneur Jésus était venu à notre époque, peut-être qu'il aurait eu droit, je ne sais pas, à la chaise électrique, je ne sais pas, à la piqûre et tout ça, peu importe, peut-être que dans certains pays, on l'aurait laissé croupir dans des prisons jusqu'à ce qu'il meure là-dedans, parce qu'en France, il y a pas, on ne tue pas les gens, mais on va te laisser pendant longtemps, justement, en prison, au moins 25 ans, ce qu'ils appellent, le temps de sûreté, tu vois, dans lequel tu ne peux pas, justement, être libérable. Alléluia. Voilà. Donc il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, tu vois. Il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. Et lui encore, tu vois, il a dépouillé, amen, dis avec moi, dépouillé, alléluia. Les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il a triomphé. Le bois qui était une malédiction, mais il a dit, clouez-moi là, je vais clouer la malédiction, clouer la maladie, clouer le stress, clouer les problèmes. Et tant qu'il n'y a pas la croix, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de Saint-Esprit. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas d'église. Nous sommes là parce qu'un jour, un homme, Dieu fait cher, a payé le prix, s'est laissé clouer à la croix, s'est laissé crucifier, a été ressuscité pour te dire, maintenant, c'est possible. Alléluia. Il a payé le prix, il s'est cloué pour toi. Mais il n'est pas resté là parce qu'on dit, oh, il a souffert pour moi. Non, il est sorti. Maintenant, il dit, je suis ressuscité pour te dire, maintenant, tu peux marcher en nouveauté de vie. C'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible que tu marches en nouveauté de vie. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, tu vois, et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Amen. On va rapidement, il y a un passage qui me vient à la tête. On va aller sur Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang pour que tu comprennes rapidement. Nous n'avons pas à lutter. On va aller rapidement sur Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est juste que tu comprennes. On a vu que dans Colossiens chapitre 2, il nous dit ceci, qu'il a dépouillé les dominations. Amen ou pas amen? Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On voit qu'ils ont un certain pouvoir. Amen ou pas amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans Colossiens chapitre 2, comme on a lu tout à l'heure, Colossiens chapitre 2, verset 15, il nous dit, il les a dépouillés. Amen. Ils ont un pouvoir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les hommes, mais contre ces autorités-là. Donc, ça veut dire que mais tu pars déjà vainqueur, puisque les autorités contre qui tu vas combattre, Dieu les a déjà dépouillés. C'est comme il y a les gens, quand ils jouent un match de football, ils se disent, bon, on va les taper parce que, bon, ils pensent, mais on dit, on parce qu'on ne sait jamais, on va peut-être se faire taper, voilà. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que tu pars déjà vainqueur parce que Dieu les a déjà tapés. Amen. Jésus les a déjà cognés. Donc, tu pars déjà avec un trait d'avance. Et souvent, nous ne comprenons pas ça parce que nous n'acceptons pas ce que Dieu nous dit. Et du coup, nous n'avons pas la victoire, nous ne pouvons pas triompher. Alléluia. Ne triomphons pas parce que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi il faut apprendre à décortiquer la parole de Dieu pour comprendre ce que la Bible dit. Voilà. Il dit, il les a, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités. Oh, autorités dans ce monde de ténèbres. Ils sont méchants, ils vont nous détruire, c'est compliqué. Mais Jésus te dit, non, calme-toi, mon fils, ma fille. Je les ai dépouillés, amen. Les autorités qui envoient les maladies, les autorités qui envoient les cancers, qui envoient toutes sortes de problèmes, qui détruisent ton corps, les autorités qui envoient la gloutonnerie, pour qu'on mange tout n'importe quoi, pour qu'on détruise notre corps avec les essais de sucre, les essais de graisse. Je dis, je les ai détruits, alléluia. Et parce qu'il les a détruits, tu peux dire, Seigneur, non, mais je vois que je fais des excès dans tel aliment, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ne plus manger ça, parce que je sais que ça va détruire mon corps. Et tu peux avoir le pouvoir de dire, ça s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je n'ai pas forcément besoin d'aller chez un nutritionniste, parce que j'ai l'autorité de dire maintenant, j'arrête de boire les jus, voilà, c'est tout. Alléluia. J'arrête de boire du sucre avec consommation forte. Pourquoi? Parce que j'ai l'autorité de soumettre cette autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Gloire soit à Dieu, Seigneur. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, dis-moi amen. En spectacle, en triomphant d'elle comment? À la croix. Alléluia! À la croix, il les a dépouillés. Il les a vaincus, amen. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet de la fête, d'une nouvelle lune, tu vois. Ou les sabbats, tu vois, pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne faites pas ça. C'est l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ, alléluia. Donc il les a dépouillés, amen.
La Bible dit, nous n'avons pas lutté. Seigneur te révéler quelque chose. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les autorités. Mais Dieu dit, certes, d'accord, j'ai peur des démons, j'ai peur des sorciers. Mais Dieu dit, je les ai dépouillés, je les ai mis en spectacle à la croix. Donc ils n'ont aucune victoire. Ils n'ont aucune autorité. Amen. Alléluia. Ils n'ont plus le pouvoir. Donc tu dois marcher libre, vainqueur. Tu dois marcher comme un conquérant. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà pourquoi tu ne dois pas dire ce qui est arrivé à mon père, même dans la chair, ma mère dans la chair, ou mon père dans la foi, ou ma mère dans la chair, ça va m'arriver. Dieu dit ça, c'est un manque de foi. Tu manques de foi. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ce qui arrive à l'autre, c'est son problème. Ça n'arrivera pas à moi. Pourquoi? Parce que je ne me moque pas de l'autre personne, mais je comprends ce que Dieu a fait. Alléluia! Les hommes qui reçoivent Christ, qui font des erreurs, ils ne sont pas Dieu. Si je m'identifie à eux, ça veut dire que j'ai un problème. Je m'identifie à eux quand ils marchent droit, quand ils décollent. Je ne m'identifie pas à eux, jamais. Je dois m'identifier à Christ pour me donner une chance, moi, de me sauver et leur donner une chance. Plus tard, leur dit, peut-être toi, tu es tombé, mais moi, je ne tombe pas et je vais te consoler pour te montrer que c'est possible. Et peut-être que la personne va se relever en disant, mon fils, tu es ferme. Comme il est resté debout, là où le diable m'a vaincu, je me relève parce que mon fils me redonne l'espoir. Alléluia! Gloire soit au nom du Seigneur! Alléluia! Mais si tu as peur parce que c'est arrivé à telle personne, ça va m'arriver, c'est que tu n'as pas la foi. Ta foi doit grandir encore. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas. Mais tu as la foi en Dieu, mais tu n'as pas la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi qui pense comme Dieu. Une foi qui a l'assurance, une foi qui n'a pas peur, une foi qui ne craint pas. Elle dit, parce que je marche avec Dieu, moi je réussirai. Je serai le premier et non le dernier. Le premier et non le dernier. Je serai la tête et non la queue. Bon, je serai la tête, alléluia. Dieu m'enrichira pour sa gloire. Alléluia. C'est ça, il faut marcher avec l'autorité, l'audace du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut simplement s'appuyer sur la parole, pas sur les gens, sur la parole. Il a échoué, mais il n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Jésus-Christ. Il a triomphé. Il a été crucifié. Il a accepté le prix. Est-ce que ton père, ta mère peut la faire? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il peut accepter d'être crucifié à la croix? Ça fait mal. Lui, il a fait pour toi. Alors pourquoi t'as peur? Pourquoi avoir peur? Il a accepté, donc n'aie pas peur. Amen. Amen ou pas amen? N'aie pas peur. Alors sors ce matin dans cette salle en étant ferme dans la foi, en ayant plus de l'assurance que tout est possible, alléluia. Même si ma famille souffre, moi je ne souffrirai pas. Je marcherai dans la bénédiction pour que eux dans leur souffrance, ils voient ma bénédiction et se disent, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, il y a des gens parfois qui souffrent, des pays qui souffrent. Mais si les gens de ces pays-là, certains ne sont pas Jésus-Christ, si tout le monde craque, ils vont dire, mais tout le monde craque, tout le monde va baisser les bras. Mais il faut des gens qui donnent l'espoir, amen ou pas amen. Il faut des gens qui donnent l'espoir. L'espoir que c'est possible. L'espoir que Dieu peut faire. Alléluia. On veut des hommes comme ça et des femmes comme ça. Dans cette génération, des hommes qui se lèvent dans la foi, qui parlent, qui déclarent la parole de Dieu, qui déclarent la bénédiction sur leur pays, qui déclarent. Pourquoi? Parce qu'ils le sont. D'accord, ils ont les origines de ces pays, mais ils appartiennent maintenant à un autre pays, à un autre royaume qui est au-dessus des États-Unis, au-dessus de la Corée, au-dessus de la France, au-dessus de l'Ukraine. L'État à qui tu appartiens est au-dessus de toutes les nations réunies, le règne des cieux. Donc tu parles. En fait, quand tu es en Dieu, tu es au-dessus de la terre. Tu regardes la terre comme ça. Tu dis, bénédiction. Et là où il y a des brigands, là où il y a des fous, là où il y a des tueurs, tu dis, dégagez pour que vous soyez frappés de l'esprit vaguement et que vous laissiez les innocents tranquilles. Amen. Ah oui, c'est ça. C'est ça ton rôle. C'est ça ton rôle, bien-aimé. C'est ça ton rôle. Tu dois comprendre quel est ton rôle. Comprends quel est ton rôle, alléluia. Comprends quel est ton rôle. Alléluia. Comprends quel est ton rôle. Alléluia. On va aller sur Philippiens chapitre 2, verset 9. Alléluia. Comprends ton rôle. Comprends ton rôle. Comprends ton rôle, bien-aimé. Comprends. Philippiens chapitre 2, verset 9. Comprends ton rôle. Comprends qui tu es. Alléluia. Comprends qui tu es. Comprends qui tu es. Alléluia. Comprends qui tu es. Tu as été changé de l'intérieur. Même on dit qu'un zèbre, en se battant dans tous les sens, il ne peut pas enlever ses traces. Tu as la couleur de peau que tu as. Ça, ce n'est pas le problème. Mais ton esprit a changé. Tu es un autre homme. Alléluia. Tu es une autre personne. Et tu dois dominer avec ce qui est au fond de toi. Alléluia. Les gens vont te juger à cause de ta couleur de peau. Ce n'est pas grave. Mais tu dois dominer en fonction de ce qui est en toi. Et tu vas voir que tous vont se soumettre à la gloire. Parce que quand il y a la gloire en nous, on irradie, on manifeste la puissance. Et les gens ne regardent plus ta couleur de peau. Ils regardent ce que tu as. Ils disent, je veux ce que tu as.
Je veux, donne-moi. On veut prendre ce que les gens ont. Quand tu n'as pas, ça ne nous intéresse pas. Quand tu passes ton temps à te victimiser, ah, je suis comme ça, c'est pour ça qu'on me fait du mal, je suis comme ça. Mais tu es en train de trop te victimiser. Marche en gloire, marche en puissance, marche en autorité. C'est pour ça qu'il y a les hommes aux États-Unis qui étaient des anciens esclaves. On sait qu'ils ont inventé pas mal de choses. Ils ne se sont pas dit, mes grands-parents ont eu des coups de fouet. Non, ils ne se sont pas allés dessus. Ils ont dit, maintenant, je suis allé à l'école, j'ai appris, je suis un mathématicien et je vais inventer. Et laissez-moi dire qu'il y a plein d'enfants américains, plein de lois américaines qui ont inventé pas mal de choses sur lesquelles nous marchons venus. Ils ne se sont pas arrêtés sur les souffrances qu'ils avaient. Ils ont dit non, j'ai l'intelligence, j'ai la matière grise. Maintenant, je vais démontrer au monde ce que je peux faire. Alléluia. WhatsApp que tu utilises aujourd'hui, c'est moi qui ai inventé ces choses-là. Voyez. Donc, bien-aimés, il faut comprendre la naissance des réseaux sociaux. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses-là. Comprendre pour grandir. Tu vois. Philippiens chapitre 2, verset 9. Il dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Dieu l'a souverainement, Christ, toi, parce qu'il a payé le prix pour toi. Il est mort, crucifié, ressuscité. Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Dans le verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, c'est la Pâque, tu vois. Afin que tout nom, tu vois, fléchisse, tout genou fléchisse, tout le monde. Amen. Et il y a ce chant-là que nous chantons, Wonderful God. Il y a un nom aussi en français, comme on disait. Ça fait la, tout le monde entier a chanté ce chant-là, tu vois. C'était un chant en français qu'un prêtre catholique avait chanté au départ. Et les gens ont chanté ça dans le monde entier. Et tu vois, il y a aussi Wonderful God, Great God, tu vois. Ça a été chanté de manière planétaire. Tout le monde, croyant ou pas croyant, ils ont dansé dessus, tu vois. Et Dieu nous demande par là. Dieu nous dit, tout genou fléchira. C'est-à-dire que même après, même le diable fléchira les genoux devant Dieu, tu vois. Et Dieu te demande déjà pas des petites choses comme ça, comment même des gens qui ne croient pas en Dieu, juste parce que le son les plaît, ils chantent, ils célèbrent, alors qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ils chantent, ils dansent, ils font des gestes, des danses d'Europe dans les chants de Dieu pour démontrer que ce que Dieu a dit, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tout genou. Et ils chantent bien. Alléluia. Ils chantent. Il chante, il chante.